Swiss Skills, le championnat des métiers à Berne, il y aura... Léa Fulpin, médiamaticienne. Maverick Pulfer, paysagiste. Colin Mota, médiamaticien. Alexis Roy, agriculteur. Félicie Nicher, menuisier. Alors, Rochard Jonathan, chauffagiste. Adeline Martin, pâtissière-confiseuse. Pauline Perret, vendeuse en boucherie. Coralie Sinsic, décoratrice d'intérieur. Voici donc nos challengers neuchâtelois. Ils ne sont pas beaux, tout blanc vêtus, mais il y aura aussi... Romain Calmelet, horloger. Anthony Zender, horloger. Eux, ils ne sont pas candidats, mais ils représentent le savoir-faire horloger en montrant ce qu'ils savent faire, justement. Et toc, ou tic, tac, bref. Maintenant que les présentations sont faites, un mot pour décrire les Swiss Skills. La compétition. Une grande compétition. La compétition. La compétition. Ah, parce que nous, on croyait que vous partiez en vacances à Berne. Je sais pas vraiment. Non, mais sérieusement? Beaucoup de travail. Bah voilà. Des rencontres. Bah, championnat. Stressant. Je sais pas vraiment. Nous, on veut une équipe qui gagne, mais pour ça, il faut vaincre ses peurs. Et je vous le donne en mille, il y en a deux. Et ne pas avoir assez de temps pour tout finir. Manquer de temps. Pas réussir à terminer le travail à temps. Gérer le stress. On va essayer d'être le plus précis possible, sans avoir l'effet du tremblement du stress. Ce sera d'être précis. Précis pendant 4 jours, concentré pendant 4 jours. C'est un peu normal, 4 jours de compétition du 17 au 21 septembre au cours desquels ils vont se mesurer à toute la Suisse, il y a de quoi avoir les jetons. Qu'est-ce que ça représente pour toi ce concours? On zappe. Ça apporte... je sais pas. Ton objectif? Faire du mieux que je peux. Ne pas finir dernière. Ah, je vais essayer de faire du mieux que je peux, puis j'aimerais bien faire de bons résultats. Non, ça ne va pas du tout. On relève la tête, on bombe le torse, la gagne. Vous connaissez? Alors on reprend. C'est quoi votre objectif? On va pas essayer. Ben, je vais faire de bons résultats. Voilà. Arriver le plus loin possible tout en rendant un travail qui me ressemble, dont je suis fier. Ben alors? C'est être fier de moi à la fin du travail. C'est de dépasser mes limites. Montrer de quoi je suis capable et puis apprendre des autres concurrents. Ton objectif? Ben de... gagné. Eh ben voilà! Alors go Neuchâtel, et qu'est-ce qu'on leur souhaite? Bah bonne chance, et puis donner le meilleur de eux-mêmes. Moi je souhaite qu'ils s'amusent beaucoup avant tout.